Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour à Saint-Jean Merveilleux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous allons faire ensemble un test. Tu sais que j'ai ce livre-là avec 25 tests de personnalité et que j'ai envie de les faire avec toi. Mais avant ça, je vais me déshabiller. Je rigole, Issam, il y a mon petit frère qui est là. J'ai chaud. J'ai envie de tous les faire. La dernière fois, on en a fait un. On va en refaire un aujourd'hui. Lequel on va faire? Allez, indifférent, à part rester un truc psychologique. Êtes-vous honnête avec vous-même? Et mon petit frère qui est là va dire si je suis honnête avec moi. Si je réponds bien ou pas. Alors, le test qui est là, il dit: les réseaux sociaux, les likes et les followers, le besoin d'être aimé peuvent sembler les seules choses véritablement importantes aujourd'hui. Les gens postent toujours davantage d'images de leur vie, mais en affichent les bons moments sans beaucoup partager les plus ennuyeux, routines ou négatifs. Bon, moi, la vérité, ceux qui regardent mes vlogs, ils savent que je partage tout. Pas vrai, Sam? Est-ce que tu regardes mes vlogs? Tu veux venir dans la vidéo avec moi? Non. Tu veux pas venir, mon petit frère chéri? Bon, mon petit frère chéri sent une voix. Je partage tout. Moi, je fais pas semblant. Ce que nous montrons du monde au monde extérieur est souvent le reflet de notre honnêteté envers nous-mêmes. Et si nous ne le sommes pas, comment l'être avec le monde qui nous entoure? Faites le test suivant pour découvrir votre degré d'honnêteté envers vous-même. Tu veux faire le test, Issam, en même temps? Et alors, ce truc, il vient d'un test de personnalité qui s'appelle Hexaco. Alors, ce test s'inspire de l'inventaire de personnalité Hexaco développé par les psychologues Michael, blablabla, on s'en fout, dans les années 2000. L'objectif de leurs travaux était de tester et évaluer les différents types de personnalité de façon résolument moderne. On est sur de la modernité du test. Ce modèle reprend celui des 5 grands facteurs de la personnalité développée au début du XXe siècle, auquel il ajoute un 6e facteur qui n'avait pas été reconnu aujourd'hui jusqu'alors, l'honnêteté, humilité. Les 6 nouveaux facteurs de personnalité sont donc l'honnêteté, humilité, c'est-à-dire caractère sincère, honnête, loyal, modeste, sans prétention plutôt que sournois, trompeur, avide, prétentieux, hypocrite, vantard, sans prétention plutôt que sournois, trompeur, avide, prétentieux, hypocrite, vantard et pompeux. Moi, je trouve que c'est tout moi et que je suis sûre que je vais réussir ce test. Je suis la reine de l'honnêteté envers moi-même. Il y a l'émotivité, l'extraversion, l'agréabilité, la conscience et l'ouverture à l'expérience. Mais ça, on verra plus tard dans d'autres tests. Comme d'habitude, je te montre à la fin les résultats du test. Comme ça, tu fais pause et je te montre aussi les résultats écrits du test, nanana. Comme ça, tu fais toi-même et tu peux le faire à la maison. Question 1. Mais ça, c'est les résultats. Où sont les questions? Ah, les questions sont là. Alors, question 1. Un ami vous inonde de messages parce qu'il veut vous parler. Mais vous le connaissez et savez qu'il n'a rien à vous dire d'important. Que faites-vous? Alors, avant de voir les réponses, message honnête. Issam, toi, tu sais, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Tu lis pas. Je calcule pas vraiment. J'ai pas de temps pour parler avec des humains et encore moins quand c'est pas important. Réponse A. Vous le rappelez plus tard quand vous serez moins occupé. Réponse B. Vous l'appelez immédiatement. Réponse C. Vous l'ignorez et vous lui direz à l'occasion que vous étiez en réunion. Et réponse D. Vous l'ignorez et vous lui direz le moment venu que vous n'avez jamais eu ces messages. Non, non, moi je vais pas mentir, j'ai pas eu tes messages. Je vais pas te calculer et... éventuellement, un jour, je vais pas mentir. Les deux dernières réponses, il faut mentir là. Moi, je vais dire la D. Genre, je l'ignore et je dirai plus tard que je n'ai jamais eu ces messages parce que je ne les ai pas lus. Question 2. Une personne vous attire. Lui proposez-vous de sortir avec vous? Oui, parce que moi, je branche les mecs, ma gueule. J'attends pas d'être choisie par un homme. Si je veux un homme, je le pécho. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pécho mon mec. Bon, on est un peu en conflit. Lui dit qu'il m'a pécho. Je dis que je l'ai pécho. Mais en tout cas, je lui ai envoyé le message qui a fait qu'on s'est pécho. D'ailleurs, si tu sais pas comment on s'est pécho, dis-moi dans les commentaires. Je te ferai une vidéo sur le sujet avec Leandro. Il y aura nos deux versions qui vont se confronter. Moi, je suis la meuf qui va voir les mecs si j'ai besoin de les pécho ou les meufs éventuellement. Issam, est-ce que tu trouves que j'ai raison ou pas? Ouais. Je sais pas en fait. Tu m'as jamais vu pécho. Non. Est-ce que toi tu vas pécho les gens? Non. Donc, réponse A. Oui, je lui propose de sortir avec moi. Au pire, il ou elle refusera. 2. Vous proposez sobrement un verre entre amis. En fonction de sa réponse, vous mesurez son intérêt. Réponse C. Non, mais vous l'espionnez sur les réseaux sociaux et tentez de provoquer fortuitement une rencontre. Ou D, ça s'appelle stalker. C'est pas très bien, c'est le début d'une relation toxique.
D. Non, elle est bien trop bien pour moi. Je ne peux pas l'intéresser. Vaut mieux l'oublier. Ça va, on a confiance en nous dans cette vidéo. Donc, moi, réponse A, bien entendu, j'y vais. Au pire des cas, qu'est-ce qui se passe si on me dit non? Rien. Parce que dans la vie, on a mis des milliers de râteaux, nous les meufs. Alors, pourquoi on n'accepterait pas d'avoir des râteaux? On est qui? Des princesses de l'univers? Non. On veut être au même niveau que les mecs. On propose, on se prend des râteaux. Ils proposent, ils se prennent des râteaux. Ça s'appelle la life. Et très souvent, on ne se prend pas des râteaux. T'as mis ta réponse, Issan, c'est bon? Ouais. Un être cher, on va dire mon petit frère d'amour, vous offre un cadeau qui ne vous plaît pas du tout. Que faites-vous? Alors, si c'est mon petit frère chéri, je crois que je fais semblant d'aimer et je le donnerai plus tard à quelqu'un. Ah, t'es une bâtard. Quoi? T'as déjà fait ça? Beaucoup de fois. Quoi? Non, mais pas vous, vous me faites pas de cadeaux. Tu m'as déjà fait un cadeau? Il m'a jamais fait de cadeau. Si, si, mais des petits trucs à la con. Vas-y, tu m'as fait quoi comme cadeau, espèce de mytho? Tu sais plus parce que tu sais pas. C'est des trucs de merde. Mais tu m'as fait des dessins quand t'avais 5 ans. Tu les as donnés ou tu les as achetés? Non, je les ai gardés. Tu les as là? Mais non, bien entendu que non, parce que j'ai déménagé 10 fois. Qu'est-ce que tu veux que je donne tes dessins pourris de quand t'avais 5 ans? Est-ce que tu m'as déjà fait des vrais cadeaux? Un vrai cadeau? Je sais pas. Voilà! Voilà, voilà. Merde. Voilà, tu m'en non, tu m'en fais un açaï des pains de queijo, je les ai mangés. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu les as pas donné, tu les as partagés avec la Rogerie ou pas? Non. Du coup, A. Vous lui dites que vous l'adorez puis vous le cachez au fond d'un tiroir, vous le donnerez à l'occasion à une œuvre de charité. C'est tout moi. B. Vous le remerciez, placez l'objet bien en vue, vous le casserez ou le perdrez plus tard accidentellement. C. Vous lui dites qu'il ne fonctionne pas et proposez de le rapporter en boutique pour pouvoir l'échanger. C'est vous dites très poliment que vous ne l'aimez pas et demandez si vous pouvez l'échanger pour autre chose. Non, non, moi je fais l'hypocrite avec ma famille. Je dis que je suis contente et je le donne à quelqu'un. T'as mis ta réponse? Alors, on vous invite pour les vacances dans un endroit que vous détestez. Que faites-vous? Eh ben, j'y vais pas. Et je dis que ça ne m'intéresse pas du tout. Je perds pas mon temps dans la vie. Toi? Je trouve une excuse. Tu trouves une excuse. Ouais. Et tu vas pas dire directement que tu as pas envie? Ouais. Mais faut dire, sinon les gens, ça, ils vont jamais savoir ce que tu aimes. Non, moi je dis, je m'en bats les steaks. 1. Vous déclinez poliment en disant que vous n'aimez pas. C'est tout moi. B. Vous dites devoir vérifier vos disponibilités avant de pouvoir accepter. C. Vous acceptez, vous trouverez bien une excuse de dernière minute pour ne pas y aller. Ou D. Vous acceptez à contre-cœur car vous savez qu'on compte sur vous. Alors là, je ne vais jamais forcer dans la vie. Mais non, mais si c'est des amis, je vais pas mentir, je leur dis la vérité, je dis que c'est pété, que j'ai pas envie d'y aller. Ils savent, mes amis, ce que j'aime pas. S'ils m'invitent dans un truc que j'aime pas, par exemple, il y a pas longtemps, une personne m'a invité dans un hôtel de luxe, c'était pas mon délire, parce que c'est pas mon monde. Du coup, j'ai décliné poliment en disant la vérité, ce n'est pas mon monde. Donc, je n'irai pas, merci, c'est gentil. Toi, Issam, tu fais quoi? Tu dis que mais c'est de l'hypocrisie. Mais t'es pas honnête avec les gens. Attends, c'est quoi la bête déjà? Vous dites vouloir vérifier vos disponibilités avant de pouvoir accepter. Ouais. Mais c'est pas vrai, t'as pas envie d'y aller. C'est un ami ou pas? J'ai pas compris ton truc là. On vous invite. Allez, on va partir. On sait pas, voilà, on va dire c'est un ami. Quelqu'un que tu connais. En fait, ça me laisse du temps dans le sens où je me dis, bon, ça se trouve, ça va être trop bien et que. Mais tu sais que t'aimes pas l'endroit. Ben, l'endroit, j'aime pas, mais ce qu'on va faire, est-ce que j'aime ou pas? J'attends d'en savoir un peu plus. Donc du coup, je laisse un peu de temps, tu vois, je vérifie mes disponibilités, entre temps, j'essaie de savoir ce qui se passe, et à la fin, je dis oui ou non. Je me prends beaucoup la tête. Ouais, c'est complexe, hein. Vaut mieux être honnête et simple. Question 5. Vous tombez sur une annonce qui décrit le travail de vos rêves, mais vous ne répondez qu'à 50% des critères de sélection. Que faites-vous? Eh, si j'ai 50% des critères de sélection, ça veut dire que j'ai déjà 50% des critères de sélection. Moi, je fonce ma gueule. Toi et Sam. Réponse A. Vous ne postulez pas, avec seulement la moitié des compétences demandées, vous ne serez pas pris. B. Vous arrangez votre CV et votre lettre de motivation pour correspondre. C. Vous postulez avec une lettre suffisamment générale pour ne pas attirer l'attention sur les compétences qui vous manquent. Ou D. Vous postulez quand même, personne n'est parfait, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez rien à perdre, vous êtes honnête dans votre lettre de motivation. Moi, je pense que j'arrange mon CV. Ouais, c'est la B, ça. Parce que sur place, ça va marcher, tu vas apprendre, ça va fonctionner. Au pire, tu as un mois pour savoir si tu veux, ça marche ou pas. Alors, lorsque quelqu'un vous demande ce que vous faites comme travail, qu'est-ce que vous lui dites? Moi, je dis que, déjà, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis que j'essaye d'être heureuse tous les jours de ma vie. C'est ma première réponse. Et après, je dis la vérité. Je dis pas forcément que je suis youtubeuse. Je dis que je travaille sur Internet parce que j'ai la flemme de raconter mon travail. J'ai la flemme, parce que quand tu dis que tu es youtubeuse,
Les gens, d'une part, ils changent, d'autre part, ils croient que tu es trop connue. Alors que je suis pas trop connue. Et je veux pas déceptionner les gens. Genre, tu vois, ils croient que je suis trop en place et tout, ils vont sur mon YouTube. J'ai 180 000 abonnés. C'est bien. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Mais des fois, je vois des chaînes et genre, les personnes, elles ont 30 000 ou 40 000 et je me dis, oh le bâtard, elle a beaucoup d'abonnés. Après, je me dis, oh le bâtard, j'ai 180 000. Je m'en rends pas compte. Du coup, les réponses. Vous lui dites exactement ce que vous faites. B, vous avez tendance à minimiser ce que vous faites. Moi, je fais ça. Je fais ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un truc de danse, là, mon bloco de carnaval. Et on a fait une ronde et tout le monde devait dire ce qu'il faisait. Et moi, je n'ai pas du tout raconté tout ce que je faisais. Je fais trop de choses. J'aime pas trop raconter. J'aime bien rester discrète. Voilà. Je raconte généralement pas les trucs. Et donc, j'ai juste dit que j'essayais d'être heureuse dans ma vie tous les jours et que c'était déjà un travail temps plein. C'est... Ça s'appelle la vie rotée. Tu rotes et tu pètes comme tout le monde, toi aussi. Hein. C'est vous changez de sujet ou dès vous faites passer votre travail pour plus intéressant qu'il ne l'est. Non, moi, c'est B, pareil. Vous avez tendance à minimiser ce que tu fais. Tu travailles même pas? T'as jamais travaillé? Tu minimises quoi? La tête de homme, j'ai toujours minimisé. Mais tu travailles pas? Tu minimises quoi dans ton travail? Parce que je t'ai jamais dit exactement ce que je faisais. Parce que tu minimises. Non, toi, en fait, tu ne considères pas ce que je fais. Parce que tu minimises. Laisse-moi parler, parce que là, c'est genre... Ah. T'as toujours jamais considéré ce que je faisais comme du travail, en fait. Mais je sais même pas ce que tu fais. C'est normal, parce que je minimise tout le temps. Eh ben, faut que tu dises ce que tu fais pour de vrai. Et toi? Faut que tu dises ce que tu fais pour de vrai. Mais moi, tu le vois, je te le dis tout le temps. Je suis youtubeuse, je fais des voix. Ça fait un mois et demi que tu habites avec moi. Tu sais ce que je fais dans ma vie, maintenant? Question 7, pour vous. Dire la vérité, il n'y a pas une chanson dire la vérité, nanana, dire la vérité. Eh, je crois que c'est dans le nouvel album de Orelsan. Pour vous dire la vérité, c'est, pour moi c'est important. C'est très important de dire tout le temps la vérité. Est-ce que j'aime mentir? Je suis un peu une rajouteuse, mais pas dans les trucs pour me mettre en avant. J'avoue, quand je raconte des histoires, je peux rajouter un peu. Je suis marseillaise, c'est dans mes gènes, je peux pas faire autrement. Ma mère est notre mère, c'est une rajouteuse. Elle nous a pas transmis le rajoutage. Du coup, pour toi et Sam, t'es fâché là? Non, je trouve que c'est pas cool. C'est pas cool de quoi? Mais je savais même pas que tu travaillais. Non, tu me racontes pas ton travail. Et ben donc voilà, parce que tu minimises, c'était exactement ça. C'était exactement la réponse. Donc, nous allons nous poser toi et moi, tu vas me raconter exactement ce que tu fais dans ta vie. Sans minimiser. Okay. T'as bon, maintenant, dis la vérité. La vérité. Non mais toi, qu'est-ce que c'est la vérité pour toi? Mais non, toutes les réponses avant, tu dis pas la vérité aux gens. Non, mais si par exemple il y a un truc, il y a un sujet, moi, je vais pas te mentir, je vais dire la vérité de. Mais par contre, si je t'invite en vacances et que tu te sens pas d'y aller, tu vas pas me dire la vérité. Je vais regarder mon emploi du temps, et après je verrai plus tard. C'est pas mentir, hein. C'est une vérité. C'est détourné. Oui. Ah voilà. Tandis que moi c'est plutôt. Ouais, toi c'est cash. C'est mieux, hein. Ben je sais pas, parce que des fois les gens, je leur fais de la peine. Ah. Genre là, avec la minimisation. Ouais, moi je suis pas très sensible, machin. Je dis des trucs bam 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 bam. C'est pas bien. Parce qu'il faut être un peu plus doux. Des fois, il faut mentir un peu. Non, tu peux ne pas mentir et être. Doux. Ouais. C'est pas mon cas. Mais toi, tu mens. Est-ce que tu mens? Mais je mens pas, moi. Je suis pas une menteuse. Hein. Non. Bah non. Voilà, c'est quoi les réponses? Et alors, les questions. La vérité, c'est souvent la meilleure chose à faire, mais pas toujours. Ou bien, pas toujours une bonne chose, donc à mesurer avant de répondre. Ou bien, une belle utopie, personne ne le fait jamais vraiment, puisque nous avons tous notre propre version de la vérité. Ou, la seule chose à dire, rien ne justifie le mensonge. Moi, j'aurais dit A, souvent la meilleure chose à faire, mais pas toujours. Voilà, des fois, il faut un peu... Ouais, c'est un peu... Franchement, là, il nous arnaque. Ouais. Il nous arnaque. Question 8. Trouvez-vous facile d'exprimer votre opinion ou de vous faire entendre? Bah ouais. Tu donnes ton opinion, les gens ils sont pas obligés de l'accepter. Moi j'essaie de convaincre. Voilà, moi j'essaie pas de convaincre, je m'en bats les steaks. Donc, trouvez-vous facile d'exprimer votre opinion et de vous faire entendre? A. Très facile. B. En général, oui. C. Tout dépend des circonstances. Ou D, vous avez du mal, vous n'êtes pas convaincu que votre opinion intéresse tout le monde. Bon, ça, c'est la personne qui n'a pas confiance en elle. En nous, ce n'est pas le cas. Moi, je trouve que c'est facile d'exprimer son opinion. Tu ouvres ta bouche et tu dis. Moi, je vais essayer, ça dépend des cas. Quand je suis en famille, c'est compliqué parce qu'on ne prend pas au sérieux.
Oh, le petit animal blessé, c'était trop mignon. Non, mais c'est ta faute, t'as qu'à pas minimiser. Si tu minimisais pas, si tu nous disais ce que tu fais dans ta vie, on te prendrait au sérieux. Sauf que tu nous dis pas. Donc, nous, on croit que tu joues aux jeux vidéo tous les jours. Quoi ? Moi, je crois, la vision que j'ai de toi, c'est que tu joues aux jeux vidéo tous les jours. T'as qu'à raconter les trucs. Alors, avez-vous tendance à partager les détails de votre vie privée avec les autres ? Moi ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, étonnamment... En vrai, moi, je pense pas. Je pense qu'en vidéo, c'est ton travail. Mais en vrai, quand t'es avec de nouvelles personnes, pas du tout. Voilà. En fait, dans la vraie vie, en dehors de YouTube, je raconte pas ma life. Non. Et d'ailleurs, quand je suis avec des gens, est-ce que je parle beaucoup de moi ? Non. Psst, tu trouves ? Je parle beaucoup, mais je raconte pas les vrais trucs de ma vie. Attends, non, quand tu même. Tu parles pas beaucoup, t'es dans tes pensées, t'es dans tes trucs. Tu vas facilement vers les gens pour leur faire des câlins, leur demander comment ça va et tout, mais tu les laisses parler. Et ouais, toi, mais je trouve quand même. Ah ouais, moi, tu sais, j'ai toujours très très peur de parler trop de moi. Et du coup, je me force toujours à pas trop parler de moi, sauf que je suis souvent, malgré moi, le centre de l'attention, donc on me demande de parler de moi. Mais de moi-même, j'arrive pas pour parler de moi. Oui, j'essaye de me protéger au maximum. Mais à côté de ça, je raconte à peu près toute ma vie sur YouTube. Et il y a très peu de choses que je ne dis pas. Très peu. Vraiment, c'est minime. Mais je vais donner un exemple. Par exemple, quand je suis avec Leandro, généralement, je ne filme pas. Parce que j'ai envie d'être qu'avec lui et que c'est des moments qui nous appartiennent. Mais je vais partager plein de nos bisous sur mes vlogs. Bon, je ne sais pas trop. Moi, j'ai la sensation que non, mais je crois que oui. Alors, très souvent, vous aimez partager et recueillir l'opinion des autres. Pour vous, c'est important. Non. B, rarement, vous ne les partagez qu'avec vos proches. C, assez souvent, mais seulement avec les gens qui le font aussi. Ou D, jamais ça ne regarde personne. Je crois que notre manger est arrivé. Le manger est arrivé. Ah, oh, le manger est arrivé. Ah, ah, le manger est là. Ah. Et là, le manger dans ma bouche, le manger dans ma bouche, je l'aime, le manger. Alors, question 10. Vous choisissez vos vêtements en fonction de... de s'il fait chaud ou froid. De mes goûts. Non, mais c'est pour les mettre. Ah non, quand on achète les habits. De s'ils sont simples, fonctionnels et colorés. Et des fois, quand il y a un vêtement qui me plaît, je vais acheter le même dans plein de couleurs différentes. Par exemple, t'as vu les hauts que j'ai achetés là ? J'en ai racheté encore deux de deux nouvelles couleurs aujourd'hui. Et t'as vu les bodys que j'ai ? Je les ai dans toutes les couleurs. Simple, fonctionnel, efficace. Faut que ce soit efficace. Alors, ce que vous pensez pouvoir porter pour tenir votre rôle ? Non. B, ce qui est à la mode, que ça vous aille ou pas. C, ce qui vous semble le plus confortable, vous aimez être vous-même. Moi, c'est ça. Ou D, la discrétion, vous n'aimez pas particulièrement attirer l'attention. Non, c'est D. Ouais, je savais. Question 11. Vous surveillez votre alimentation, mais vous ne pouvez pas manger équilibré pendant quelques jours. Comment réagissez-vous ? Ben écoute, c'est une bulle de plaisir dans ma vie. Nous allons voir si la réponse nique sa mère. A, ce n'est pas grave, personne n'est parfait. B, vous vous en voulez, vous redoublerez d'attention, blablabla, pour compenser. Pas des steaks. C'est vous tirez un trait sur votre régime alimentaire pour le moment, mais vous prévoyez d'y revenir le mois prochain. D, vous laissez tomber ce régime, ce n'est pas fait pour vous. Bah, pour le moment, je tire un trait, vu que je me fais plaisir et on verra plus tard. Ouais, c'est là, pas donc. Donc, non. A, c'est ce n'est pas grave, personne n'est parfait. Ou bien C, c'est vous tirez un trait sur votre régime alimentaire pour le moment, mais prévoyez d'y revenir le mois prochain. Parce qu'en fait, c'est pendant tout un mois ou tu peux pas, parce que c'est pas... Non, c'est pendant quelques jours. Ouais, bah c'est évident, même si tu remets pas au mois prochain, dès que tu peux manger, dès que tu peux te permettre, tu le fais. Ouais, c'est plus ça. Ok, t'as raison. Tiens, j'ai tellement faim, ça me fait mal. Et la dernière question. Si un médecin vous interroge sur votre consommation d'alcool et de tabac, que lui répondez-vous ? Bon là, c'est facile, j'en ai pas. Étonne. Allez, je vais calculer mon truc et après, Sam, tu calcules le tien. B, la deuxième, j'ai répondu A. Et toi, t'as répondu quoi ? B. Je vais recalculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. T'as mis 32. En fait, il y a la division entre 12 à 14 points,
25 à 36 points ou 37 à 48 points. Moi, j'ai répondu 36, mais je crois que je suis plus dans le 37 à 48. Donc, toi et Sam, tu es dans le 20, entre 25 et 36. Vous êtes dans la moyenne. Vous vous efforcez d'être le plus honnête avec vous-même. Il arrive à la plupart des gens de ne pas être honnête avec eux-mêmes certains jours. Combien de fois vous est-il arrivé de réfléchir à votre vie et de vous dire qu'elle n'est pas exactement ce que vous aimeriez qu'elle soit? Nous l'avons tous vécu. Pourtant, nous nous mentons en nous-mêmes et nous nous persuadons du bien fondé de ce que nous devrions faire au lieu d'être authentiques et de faire ce qui nous convient réellement. Commencez par être un peu plus honnête chaque jour. En le faisant, vous verrez des changements majeurs se produire dans votre vie. Est-ce que ça te va? Moi, je pense sincèrement que je suis le deuxième. Je suis l'autre, entre 37 et 48. Il me manquait un point, mais je pense que ça me correspond plus. Vous êtes authentique et honnête avec vous-même. Bam, dans ta gueule. Ouais, enfin là, t'as un peu triché, mais au calme. Est-ce qu'il veut que je sois honnête? Non, je pense sincèrement que je suis plus ça. Regarde, vous avez grandi, vous êtes épanoui et vous avez appris que si vous n'êtes pas sincère avec vos émotions, votre image et vos actions, vous ne pourrez pas être honnête avec le monde qui vous entoure. Vous avez appris qu'être honnête avec vous-même vous libère du poids de ce que les autres attendent de vous. En étant honnête avec vous-même, vous êtes capable de reconnaître vos forces, vos perspectives de développement personnel et votre véritable potentiel. Vous maîtrisez vos peurs et vous avez la main sur ce qui est dans votre sphère d'influence. Vous vous construisez une vie harmonieuse et authentique. Vas-y, ça me correspond. Oui. Voilà, mec! Et les gens qui sont en dessous de la moyenne, je vous mets le texte, comme ça vous pouvez bien relire. Voilà. Tu veux pas la lire? Non, j'ai la flemme. Voilà, je suis honnête. Tu mets pause et tu peux lire ton truc. Bon, dis-moi si tu as pensé que c'était un bon test ou pas. Si j'ai envie de faire d'autres tests de ce livre, franchement, c'est ludique, c'est marrant. C'est ce test-là, je te mets le lien dans la barre d'infos, le lien Amazon, parce que je suis honnête et sincère avec moi-même. Et que oui, mes liens sont des liens Amazon. Désolée. En vrai, mais je suis curieux de savoir combien il y a de personnes qui sont dans notre tranche, dans ma tranche à moi. Bon, je pense que la plupart des gens sont dans ta tranche. Ouais. Mais sache que sur Amazon, je gagne 10 euros par mois, donc tranquille. Mes liens ne me rapportent pas grand-chose. C'est plus pour la praticité de mettre Amazon que je mets les liens Amazon. On est bon? On est bon. On va manger? Ciao! Bonne soirée! Ciao!